Good morning, allez, Iden et tu seras aujourd'hui l'irfoua tous les Israël Shimon ben Chayester, Daniel Chayitzrak ben Osnat, Sarah bat Nechama et Hanalia bat Gidel Noah Bator Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5e minute éternelle. Nous débutons aujourd'hui le 5e Perek de Psachim, Perek Hay Mishnah Alef Tamid Nishrat Bishmone Omerza, Vekarev Vetesha Omerza. Beharve Psachim, Nishrat Besheva Omerza, Vekarev Bishmone Vamerza, Ben Bachol Ben Beshabbat. Chalerev Pesach liot be'erev Shabbat, Nishchat b'shesh u'mechza, ve'karev b'sheva v'mechza, la'pesach acharav. Nous débutons aujourd'hui le sujet, un gros sujet de Masechet Pesachim, qui est le Korban Pesach, qui va continuer avec nous pendant plusieurs chapitres. Je vois, Perek Tet, ça parle encore du Korban Pesach, Perek Yud aussi, non, ça y est, ça s'arrête. Ouais, donc on va avoir 4 prakim en fait entier sur le Korban Pessah, comment faire le littéralement l'agneau Pascal. Pascal, ça vient de Pâques. Au cas où, si vous pensez qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Pascal à l'époque. Le Korban Pessah, et donc maintenant, la Mishnah va commencer à nous suivre l'ordre chronologique du Korban Pessah. Comme d'ailleurs toute la Masechet Pessahim, elle est assez rigoureuse dans le sens de on évolue. Plus on approche Pessah, plus les lois qui nous incombent au fur et à mesure qu'on approche Pessah. Donc du coup, on va commencer par le premier sujet, ça va être le Tamid Nishrat, apporter le Korban Tamid, on va expliquer pourquoi, parce qu'après le Korban Tamid, on va faire le Korban Pessah. On va expliquer un peu mieux dans les détails après, bien sûr, mais... Donc après, on va continuer à te parler, à toi compter dans plein de détails sur le Korban Pessah, comment le faire, de quelle manière il fallait l'apporter, ça va être vraiment extraordinaire. Et puis ensuite, on va te parler, te raconter comment le faire griller, le Korban Pessah. Parce qu'il va le faire encore durant la fin d'après-midi pour qu'il puisse commencer à cuire, pour que quand on rentre Pessah, que tu puisses déjà commencer à le manger. Et du coup, on va, comme ça, au fur et à mesure, évoluer davantage dans l'ordre chronologique depuis le moment où on fait le Korban Pessah jusqu'au moment où on le mange et même après. Et on commence d'abord avec le premier sujet, c'est le Tamid Nishrat Bishmone Vamerza. J'explique. Tous les jours, on apporte le Korban Tamid. Si vous lisez le Parchata Tamid tous les matins, mon Korban, qui est mon pain quotidien, vous ferez deux Korban Tamid tous les jours, un le matin et un l'après-midi. Durant cette période, vous apportez tous les Korbanot de la maison. Il y en a un qui ouvre, qui donne le coup d'envoi pour les Korbanot. On avait appris Masechet Tamid d'ailleurs. Un qui ouvre le coup d'envoi pour tous les Korbanot de la journée et un qui ferme la session. D'accord? On a fini maintenant. C'est donc le Korban Tamid ouvre, le du matin ouvre les Korbanot et le Korban Tamid de l'après-midi ferme les Korbanot. On ne fait plus de Korbanot. Après le Korban Tamid, on finit juste au Beth Amikdash concrètement, la menorah, l'allumée le soir et l'actoret. C'est les deux choses qui vont faire suivre. Plus rien d'autre, à une exception, c'est le Korban Pessah. Le Korban Pessah, qu'en réalité, il a quelque chose d'assez original, le Korban Pessah. On l'apporte le 14 pour le manger le 15. Essentiellement, c'est un Korban de fête. Mais que tu ne peux pas faire le soir le 15, il n'y a pas de Avodah au Beth Amikdash le 15. Le 15, il faut s'asseoir et commencer à manger le Korban concrètement. Donc du coup, depuis le 14, tu vas l'apporter. Peut-être que c'est ça l'intention de la Torah, qu'elle a dit que tu le feras après le Korban Tamid, le plus proche de la soirée, en fait. C'est-à-dire tu apportes le Korban Tamid, quelque part, tu as fini la journée du 14, et puis maintenant, tu fais maintenant le Korban Pessah. Maintenant, le Korban Pessah, il faut bien réaliser. Chaque famille à Jérusalem a porté, pas à Jérusalem, chaque famille d'Israël qui montait tous à Jérusalem, a porté un Korban Pessah, avec aussi un Korban Chagiga, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Donc, il fallait, on le mangeait en famille, il y avait plus ou moins de quoi manger pour au moins une dizaine de personnes, plus ou moins, comme ça la Gemara l'explique. Et tout le Ham Israël, qui était tous là, Yerushalayim, venait apporter les Korbanot durant l'après-midi. Une quantité phénoménale. Pour vous donner une idée, la Gemara, elle rapporte une histoire de 6 millions de Korbanot, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Non, 120 000, non, 1 200 000 Korbanot. 1 200 000 Korbanot dans une après-midi.
Je ne sais pas comment matériellement on réussit à faire tellement de shrita. Ça devait être un travail à la chaîne que toutes les secondes et demie à peu près plus ou moins, ils égorgent un corban. On va découvrir comment ils faisaient passer les verres pour les apporter jusqu'au Mizbéar. C'était extraordinaire à regarder. Mais en tout cas, donc imaginez 1 200 000 corbanotes dans à peu près bien plus petit que la largeur d'un stade de foot. C'était ça à peu près la Hazara. Ils étaient tous là, ils étaient en rangée. Ils étaient les Kohanim en rangée. C'est un travail à la chaîne où un il égorge, il fait passer le verre, il va, l'autre il asperge sur le Mizbéar et il renvoie le verre pendant ce temps et puis il travaille comme ça. Ok? Pour le moment, on commence avec la première étape du Korban Pessah, qui est avant le Korban Pessah, d'apporter le Korban Tamid. Le Korban Tamid, la Torah insiste de le faire durant l'après-midi. En théorie, l'après-midi, ça signifie depuis 6h30 en heure solaire. Attention, quand je parle en heure, on va parler quelquefois d'heure, on parle des heures solaires. Soit la journée, elle fait toujours 12 heures solaires, un douzième de soleil qui parcourt son chemin. Ça s'est considéré comme une heure, de toute façon, en Nissan, ça correspond à une heure solaire, c'est en général une heure, le soleil de l'équinoxe. Ça fait moitié-moitié les. Donc ça fait une journée de 12 heures. Et on compte, donc 6 heures, c'est Khatzot, on a le soleil au-dessus de la tête. 6h30, le soleil commence à se coucher. La Torah l'a dit, Ben Arbaim, dans la paracha du Tamid. Et Ben Arbaim, c'est lorsque le soleil commence à se coucher. En fait, il entame sa poursuite jusqu'au coucher final du soleil. Durant tout cet après-midi, on doit faire le Korban Tamid. Concrètement, tous les jours, alors Tamid Nishrat Bishmoneh Omertza, on égorgeait le Korban Tamid à 8h30 en heure solaire, les Karev Betesha Vamertza. Et on le faisait la Shrita depuis 8h30, et puis on faisait monter ses membres sur le Mizbeach, là, à Krava, à 9h30, une heure après. Soit vous prenez l'après-midi qui fait 6h, vous laissez passer d'abord une demi-heure, et. Plutôt, vous prenez l'après-midi qui fait 6 heures, le milieu c'est 3 heures, donc ça va faire 9 heures, une demi-heure avant, une demi-heure après, ça prend pendant une heure, on faisait le korban tamid, le temps de lui faire la shrita, à recevoir le sang, aller l'asperger, pendant ce temps on dépèse l'animal, on fait sortir tous les membres, on les met dans des plateaux, et après les kohanim vont s'organiser pour le faire monter sur le mizbéach, une avoda qui prenait une heure de temps, donc tu commences à 8h30, tu finis à 9h30, ça c'est pour tous les jours. Pourquoi aussi tard? Pourquoi? Puisque tu peux le faire depuis 6h30, raison très simple, il y avait du mouvement en Beth Amikdash, des gens qui apportaient des korbanot, ils apportaient des korban khatat, ils voulaient se faire expier, ils avaient des korbanot de Toda, de Shlamim à apporter. Donc du coup, ne les limite pas, laisse-leur le maximum de temps, mais sans risquer de rater ta mitzvah. Donc depuis la mi-après-midi, la moitié de l'après-midi, tu t'arrêtes, et ça y est, un peu avant, un peu après, tu finis le korban tamid dans cette période-là, et puis tu laisses les 2h30 restantes pour faire les derniers petits travaux de la menorah et de la ktoret. Et puis après, c'est tout, on attend la soirée, on s'arrête là au milieu, en plein après-midi. Ça, c'est pour tous les jours. Mais en réalité, le soir la veille de Pessah, alors là, on a un problème. Tu dois porter le korban tamid et puis après, commencer à organiser pour que tout le Ham Israël puisse apporter leur korban Pessah. Bien sûr, je voulais vous dire, on a envoyé un seul délégué pour une famille de 10, c'était pas la peine d'être les 10 présents dans la Hazara, il y avait déjà assez de monde, d'accord? Mais donc on a porté dans la Hazara, chacun portait, on apprendra comment il fallait le faire exactement, selon quel ordre, mais il y avait énormément de travail l'après-midi, donc du coup, on avançait le Korban Tamid de 1 heure de temps. C'est ce que la Mishnah m'enseigne, Darve Psachim, Nishrat de faire à 8h30 et 9h30, tu fais monter les membres, tu fais avancer le Korban Tamid 1 heure avant, donc tu commences à 7h30, à 8h30, tu fais monter les membres. Donc Nishrat Beshev Avamersa, on lui fait la Shrita, et la Hazara, on asperge le sang à 7h30, et puis Vekarev Beshmonev Amertsa, et on lui fera et ensuite on fera monter les membres sur le Mizbeach à 8h30, donc il nous restera 3h30 jusqu'au coucher du soleil. Et ça c'est Ben Bechol, Ben Beshabbat, que le Pessah tombe en Chol, en jour de semaine classique, ou bien que ça tombe à Shabbat, comme ça va être le cas, par exemple cette année où il va y avoir Pessah qui va tomber à la sortie de Shabbat, alors il fallait apporter le Korban Pessah pendant Shabbat. Et on apprendra, il y aura des halakhot bien particulières sur ça. Prochain pérek, je crois, Vav, où ce sera justement. Et le deuxième Pessah de Rimota Shabbat, ouais. Pérek Vav, ça va nous parler longuement de comment apporter le Korban Pessah pendant Shabbat. Et donc,
vous pouvez apporter le Korban Pessah durant l'après-midi. Et la Mishnah me dit, ben, tu sais quoi, même si finalement, tu le fais comme tous les ans, d'accord? Il n'y a pas de raison de faire avancer davantage, tu le laisses comme d'habitude. Par contre, Chal Erev Pessah Liot, mais Erev Shabbat, si la veille de Pessah, il s'avère qu'elle tombe la veille de Shabbat, soit Pessah qui tombe pendant Shabbat, donc on a le vendredi après-midi, où tu vas faire le Korban le Korban Pessah pendant l'après-midi. Quelle est la particularité de cette configuration? Très simple. Normalement, le Korban Pessah, tu l'égorges, tu l'épaisses, tu le prépares, et puis, vers la tombée de la nuit, tu commences à le faire griller. Mais lorsque ça tombe, et après on continuera à le faire griller pendant Yom Tov, comme c'est l'usage. Pendant Yom Tov, on a le droit de cuisiner, on a même le droit de faire un barbecue. Donc il n'y a pas de problème. Par contre, le Korban Pessah, lorsque Pessah va tomber pendant Shabbat, tu ne pourras pas faire griller ton Korban. Donc il va falloir finir de le préparer, de le faire griller avant Shabbat. Donc tu as besoin de plus de temps pour te préparer. Dans ce cas-là, Nishrat Beshesh, donc le Korban Tamid, tu le feras à Nishrat Beshesh Vamertsa, tu le feras à la Shrita, tu l'égorgeras, tu l'abattras à 6h30 depuis le matin. Donc vraiment, tu fais passer la mi-journée, Khatzot, midi, tu attends une demi-heure et tu commences, tu le fais à la Shrita. Et après, Vekarev Beshesh Vamertsa, tu finis de lui faire sa hakrava, de faire monter les membres à 7h30. Et après, va Pessah Harav. Et vous commencez à porter maintenant le Korban Pessah immédiatement après. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.